Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer une crème d'amande. Parfait pour les tartes aux poires ou les frangipanes, par exemple. Pour les ingrédients, c'est très simple. Ça va être du temps pour temps. Donc, on aura besoin de 100 g de beurre pommade, 100 g de sucre en poudre, 100 g de poudre d'amande, 2 œufs, donc 100 g d'œufs. Et ça, c'est facultatif, mais moi, dans la recette que j'utilise, il y en a 25 g de farine. Il y a des recettes où vous n'avez pas trouvé de farine. Il y en a où vous avez trouvé de la maïzena. Moi, j'ai toujours utilisé cette recette-là. Donc, moi, j'utilise la farine. Pour la recette très simple, on va venir mélanger ensemble le beurre bien mou avec le sucre. Vous pouvez utiliser un fouet ou un batteur, peu importe. Une fois que le sucre est bien incorporé, on va venir ajouter la poudre d'amande. On mélange bien. On ajoute les œufs un à un. Une fois que les œufs sont bien incorporés, je vais pouvoir venir ajouter la farine. Si vous n'avez pas de farine, bah vous arrêtez là. Mais là, du coup, je vais ajouter la farine. On mélange bien et c'est tout. Voilà. Notre crème d'amande est prête. Moi, je l'ai utilisée pour une tarte aux poires dans cette recette. Vous pouvez la mettre dans une galette, dans une tarte abricot, par exemple. J'espère en tout cas que la recette vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.